adorer celui qui est présent, notre Sauveur et notre Dieu, dans cet enfant mailloté, couché dans une mangeoire. C'est le Dieu Tout-Puissant qui se révèle dans la faiblesse de l'enfant qui vient de naître et qui nous indique les chemins par lesquels nous sommes appelés à devenir nous aussi des disciples de celui qui a pris notre condition humaine pour que nous devenions membres de la famille de Dieu. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
la sortie de la terre d'Égypte du peuple d'Israël. Environ 1000 ans après le sacre du roi David, dans la 75e année de la prophétie de Daniel, en la 194e Olympia et la 752e année de la fondation de Rome, l'an 42 de l'empereur Octave Auguste, dans le 6e âge du monde terrestre, tout l'univers reposant dans la paix. Jésus, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, après avoir été conçu du Saint-Esprit, 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, est né à Bethléem de Judée, de la Vierge Marie. Dieu fait homme. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair. Le jour de son retour, que